to your favorite modern world. Even hopes and dreams, the saddest sound you've ever heard. I'll give you heart and soul. Bonjour tout le monde. Faut-il que je vous présente encore Mark Atkinson? Je vous ai parlé maintes fois de Nine Stones Close, de River Sea et de Moon Hollow. C'est lui le chanteur de ces projets, un Anglais qui vit à la campagne, pas loin de Cork, et qui joue dans les pubs le week-end pour gagner sa vie. Il est également artiste solo, et c'est dans ce rôle que nous le retrouvons aujourd'hui avec Heart and Soul, son nouvel album 13 titres. Ici, pas de rock progressif, encore moins de métal, mais de la pop rock au chant et à la guitare, avec parfois de la basse, de la batterie, des claviers ou de la guitare électrique. Alors pardon, mais je n'ai aucun recul sur le travail de Mark. J'aime trop sa voix et sa manière de chanter. Comme ça au moins, vous êtes prévenus. Donc, lorsque Mark sort un disque, je l'achète et je me délecte de sa musique. Bon, ben je crois que tout est dit. Passez une bonne semaine, à lundi prochain. Ok, je vais détailler un peu plus, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Aux côtés de Mark, il y a sa compagne Tamsin au chant, sa fille Enya pour l'artwork, Martin Ledger à la guitare, Maurizio Fornaca à la batterie, Bob Fleming à la basse et son compère Ian Jemmings au clavier. Dans l'ensemble, Heart and Soul est dans un mood relativement soft. Guitare acoustique et chant soyeux, mais de temps en temps, le ton se durcit comme Never Give Up. Les textes, eux, parlent d'amour, de Lewis Carroll, de la guerre en Ukraine et même un peu de mysticisme. Un album un peu plus sombre que d'accoutumée, comme Marx en explique dans le livret. Comme je l'ai dit, l'album est pop-rock, aussi soul, blues, parfois country et même presque métal, avec la guitare rageuse dans Never Give Up. Comme le raconte Mark, Heart and Soul est à la fois un album solo et un projet de groupe. 5 titres sont joués avec une section rythmique. Martin pose ses solides guitares sur 10 pièces et Ian des claviers sur See Right Through You. On y retrouve donc un peu l'esprit de Moon Hollow, d'autant que Martin, Bob et Ian jouent également dans cet autre groupe. Certains trouveront probablement cet album facile, voire même sirupeux avec la voix feutrée de Mark, les paroles pleines d'amour et la guitare sans grand défi technique sur de nombreux titres. Et ils auront raison. Heart and Soul n'est ni original ni dans la performance musicale. C'est un album bâti sur des émotions, une parenthèse de douceur dans un monde de brut, et j'adore ça. Mon morceau préféré s'intitule « Before the day the world dies ». Ouais, vous me reconnaissez bien ici avec mon optimisme naturel. J'ai également un faible pour « Have you seen Alice ?», certainement un clin d'œil à sa compagne. Mais tous les titres de cet album me touchent, chacun à sa manière. Alors, si vous êtes curieux de connaître les raisons qui me font aimer Mark Atkinson, je vous recommande d'écouter « Heart and Soul » avec tout votre cœur et votre âme. Il est sur Bandcamp. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle découverte. Bisous !